Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Voilà 10 ans qu'ont pris fin les négociations dans le cadre des APE, les accords de partenariat économique. Il est maintenant question d'accords économiques qui ont pour objectif de faciliter le commerce et le développement entre l'Union européenne et la CEDEAO. Des précisions avec Adama Koné. Après 10 années de négociations, c'est le bout du tunnel. L'accord régional de partenariat économique, APE, entre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union européenne, UE, est bouclé, techniquement. Les négociateurs de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union européenne sont parvenus à un accord sur le plan technique. Les experts se sont prononcés sur cet accord fin janvier à Dakar et les négociateurs en chef ont entériné cet accord à Bruxelles. Dans les milieux économiques, l'on n'hésite pas à attribuer ce dénouement à la dextérité du président en exercice de la CEDEAO, Alassane Ouattara. Ce succès, il peut l'épingler au tableau de ses réalisations au moment où il achève son deuxième mandat à la tête de la CEDEAO. Le président Alassane Ouattara a, je dirais, hérité de ce dossier à un moment où les discussions étaient bloquées techniquement et où nous-mêmes, techniciens, disions que, il fallait une impulsion politique pour faire avancer les choses. Et en bon politicien, il s'est vraiment attelé à la tâche en ayant des discussions d'abord régulières avec ses pairs du Nigeria, du Sénégal, du Ghana. Autant de pays qui traditionnellement exportent vers l'Union européenne et qui étaient à peu près dans la même situation que la Côte d'Ivoire. Il s'est aussi entretenu avec les pays qui ne trouvaient pas, qui étaient moins avantagés par cet accord, hein, les pays moins avancés, pour avoir leur sentiment, leur avis. Et c'est fort de leur avis qu'ils discutaient régulièrement avec le président Barroso. L'accord décroché à Bruxelles est une véritable opportunité pour les économies de la sous-région ouest-africaine. Pour la Côte d'Ivoire singulièrement, les gains sont nets. Par cet accord, 100% de nos exportations, lorsqu'elles seront exportées vers l'Union européenne, ne paieront pas de droits de douane. La Côte d'Ivoire est partie prenante aussi à un processus d'intégration régionale. Non seulement nous pouvons continuer à exporter vers l'Union européenne, mais cet accord contribue à renforcer le processus d'intégration régionale qui représente 25% de nos exportations. Les techniciens ayant joué leur partition, il appartient aux chefs d'État et de gouvernement de donner à l'accord leur bénédiction politique officielle au pied de la basilique à Yamoussoukro lors de la 44e session ordinaire du sommet de la CEDEAO, les 28 et 29 mars prochains. La page économie de ce journal à présent. Dans le cadre de la relance économique, la Banque mondiale réaffirme son engagement à accompagner la Côte d'Ivoire. Francis Boisfaux nous donne les détails. Première visite du directeur général en charge des finances du groupe de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et à des ministres du gouvernement, Bertrand Badré a dit l'engagement de la Banque mondiale à accompagner la Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs d'activité. Un certain nombre d'ambitions ont été exprimées par le président de la République et par le Premier ministre. On a regardé dans le détail ce que ces ambitions pouvaient signifier dans tous les secteurs, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, du secteur financier, de l'éducation, de la santé, et de voir comment la Banque mondiale, qui elle-même est en train de se réformer, peut apporter un appui renforcé à ces ambitions et permettre qu'elles se réalisent dans la durée qui est prescrite. La Côte d'Ivoire est à la fois un grand client, mais c'est aussi et avant tout un grand partenaire. On a beaucoup à donner, on a beaucoup à recevoir. Et donc c'est cette rencontre très précise, on n'est pas resté dans les généralités, on a regardé un certain nombre de cas concrets, et donc on est là pour accompagner. Outre les rencontres avec les ministres, les structures étatiques, la deuxième personnalité du groupe de la Banque mondiale aura des entretiens avec le secteur privé sur les opportunités de financement des infrastructures. La délégation de Bertrand Badré visitera le troisième pont en construction, le port autonome d'Abidjan et plusieurs unités de production d'énergie. Quel est exactement le nombre d'habitants en Côte d'Ivoire? L'opération de recensement de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire, c'est pour bientôt. Combien va-t-elle coûter?
Quels sont les objectifs de ce recensement général des populations? Élément de réponse avec Albert Mabry-Toakeus, le ministre du Plan et du Développement. Et c'est dans un reportage signé Juliette Weir. Quelle méthodologie adaptée au recensement général de la population et de l'habitat 2014? Selon le directeur général de l'Institut national de la statistique, Ibrahima Ba, le quatrième recensement de la Côte d'Ivoire se veut plus rigoureux pour couvrir les 31 régions et 108 départements que compte le pays. Pour cela, 25 000 agents recenseurs déployés sur tout le territoire national vont collecter les données nécessaires au recensement 2014 à partir d'ordinateurs de poche. Une cartographie sera également élaborée pour délimiter la zone de chaque agent recenseur. Le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Toakeus, par ailleurs président du Comité national du recensement général de la population et de l'habitat 2014, invite les professionnels des médias à suivre quotidiennement les activités des agents recenseurs. C'est un moment de mobilisation pour les Ivoiriens, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens de l'étranger. Mais cette mobilisation, parce que justement nous l'avons expliqué l'année dernière, doit commencer par la presse et avec la presse. L'occasion également pour le ministre Mabry-Toakeus de remettre symboliquement aux organisations professionnelles des médias la plateforme de collaboration signée en 2013 entre la presse nationale et le Comité national de recensement général de la population. Le quatrième recensement général de la population va se dérouler du 10 mars au 9 avril prochain. Il va coûter à l'État ivoirien environ 12 milliards de francs CFA. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babodaré, veut dégager les axes prioritaires de la politique de gestion des eaux et forêts en Côte d'Ivoire pour l'exercice 2014-2015. Il vient d'organiser une rencontre pour dresser le bilan écoulé et annoncer les perspectives. Pour l'année 2014-2015, Mathieu Babodaré, le ministre des Eaux et Forêts, ambitionne d'apporter des innovations importantes pour protéger la faune et la flore. Il entend par ailleurs restaurer le couvert forestier. Mais comment y parvenir? D'abord, faire le diagnostic, c'est les états généraux, que nous pensons tenir d'ici, mais nous allons, pendant ce temps, poursuivre les actions de reboisement, les actions de protection des espèces menacées, empêcher le trafic des espèces de toutes sortes, soit le trafic de bois, soit le trafic des animaux sauvages. Nous avons des ressources en eau qu'il ne faut pas oublier. Nous avons un objectif de protéger par le reboisement des bassins versants. Enfin, il faut abellir la ville. Nous avons donc un projet de reboiser les artères. Au cours de cette rencontre, le ministre a aussi présenté le bilan 2013. Il enregistre des avancées notables, avec notamment la réhabilitation du zoo, la prise de 4 décrets d'application du Code de l'eau, l'organisation d'un pré-atelier sur les états généraux du secteur. Le ministre note également la transmission au gouvernement du projet de loi portant code forestier. À cette réunion bilan, les acteurs administratifs des eaux et forêts ont été instruits par le ministère de l'Économie et des Finances sur les recettes internes et les dépenses publiques. Ceci pour leur permettre de mieux comprendre la gestion des dépenses publiques. Intéressons-nous maintenant aux 3e journée ivoirienne de dermatologie. Une rencontre entre dermatologues qui avait pour objectif de proposer des solutions aux maladies de la peau. Le caractère international de cette séance de réflexion et de proposition a été marqué par la présence de professionnels venus des pays d'Afrique et d'Europe. C'est ce que nous dit Herman Niamien. Dermatose inflammatoire et immunoallergique, thème de cette 3e journée ivoirienne de dermatologie. Les professionnels de la santé réunis à Grand Bassam entendent échanger sur les différents résultats de leurs recherches afin d'apporter des solutions pratiques d'une part dans leur diagnostic et d'autre part dans leur prise en charge. Aujourd'hui, selon eux, ces maladies de la peau constituent un véritable problème de santé publique. Les maladies allergiques qui sont sur les deuxièmes causes de maladies de la peau chez le sujet noir. Et là, on a trouvé qu'on n'est pas trop avancé sur les maladies allergiques parce que c'est quelque chose qui donne encore des résultats qui ne sont pas trop probants et qu'on est encore dans le domaine de la recherche. Il existe plus de 400 maladies de la peau. L'eczéma, l'un des plus courants,
a fait l'objet d'une présentation par le professeur Alain Taïeb du CHU de Bordeaux. Une maladie comme le psoriasis, par exemple, a beaucoup bénéficié de progrès thérapeutiques sur les 10 ou 15 dernières années. On arrive à traiter la plupart des patients graves, malheureusement avec des traitements assez coûteux. L'eczéma, il y a encore des problèmes parce qu'on n'a pas encore découvert de médicaments très innovants. Plus courant chez les enfants, selon le professeur Alain Taïeb, l'eczéma touche aujourd'hui beaucoup de sujets adultes. Il souhaite donc que les efforts soient conjugués afin d'obtenir des résultats concrets. Le congrès mondial des dermatologues francophones qui se tient en février 2015 en Côte d'Ivoire sera donc l'occasion pour les professionnels de la santé d'annoncer de bonnes nouvelles sur le sujet. Et maintenant, l'actualité hors de chez nous. Au Niger, de nouveaux contrats d'exploitation de l'uranium sont en voie d'être signés avec le groupe français Areva. La visite devait se faire en toute discrétion. Un nouveau rendez-vous vendredi entre le patron d'Areva et le président Issoufou. Un rendez-vous guetté par la presse et les Nigériens qui espèrent voir aboutir les négociations sur les contrats des mines d'uranium du Nord. Elles durent depuis plus d'un an. Je pense qu'aujourd'hui nous avons fait un pas significatif en avant vers la recherche d'une solution commune. Et je pense que maintenant ce n'est plus qu'une question d'un temps limité avant que nous arrivions à une conclusion définitive. Cela fait plus de 40 ans qu'Areva exploite deux mines d'uranium à Arlit, dans des conditions très avantageuses héritées de la période coloniale. Après 10 ans de vie, les conventions qui lient le groupe français à l'État nigérien ont expiré le 31 décembre. Niamey demande que les prochaines tiennent compte du code minier adopté en 2006. Areva devrait ainsi verser au Niger non plus 5,5% mais 12% de la valeur des ressources extraites. Le groupe français affirme que cela lui fera perdre de l'argent. Les Nigériens, eux, ont déjà manifesté plusieurs fois pour réclamer l'application du code minier. Beaucoup craignent qu'Areva fasse pression sur le gouvernement pour que ce texte soit révisé. Nous disons que cela constituerait d'abord une trahison de sa part par rapport à sa parole donnée, lui le ministre d'État, mais aussi une trahison, n'est-ce pas, de la part du président de la République. Le Niger reste l'un des pays les plus pauvres au monde. Le nouvel accord avec Areva pourrait faire rentrer jusqu'à 20 millions d'euros par an dans les caisses. Une aubaine pour Mahamadou Issoufou à 2 ans de l'élection présidentielle. En Ouganda, dans le domaine de la santé, un test rapide et pas cher a été trouvé pour diagnostiquer le paludisme. Un test rapide et sans douleur pour diagnostiquer le paludisme. C'est l'innovation proposée par des chercheurs ougandais. Des étudiants en informatique de l'université de Kampala ont créé une application médicale sur un smartphone. Le principe est simple, le patient introduit son index dans un détecteur infrarouge capable de détecter les globules rouges qui prennent une forme différente lorsqu'ils sont affectés par le paludisme. L'appareil analyse alors les données et affiche le diagnostic en quelques secondes, avec à la clé un précieux gain de temps et d'argent. Avec un simple téléphone mobile, vous pouvez en toute autonomie mesurer votre température et diagnostiquer votre famille. Vous n'avez pas besoin de vous rendre chez le médecin ou à l'hôpital. C'est sans doute le test le moins cher actuellement en Afrique. Plus de piqûres, mais surtout plus de prises de sang ni technicien de laboratoire. Lorsque l'on sait que le paludisme représente 15 à 20% de toutes les hospitalisations en Afrique, on imagine que cette avancée va faciliter les diagnostics et les traitements contre ce fléau. Le fait qu'un simple téléphone portable puisse permettre de détecter le paludisme est une innovation qui peut révolutionner le diagnostic de cette maladie dans notre pays. Cette innovation devrait arriver sur le marché ougandais dès le mois d'avril au prix de 20 $ l'application ou 150 $, smartphone compris. Et puis, pour terminer, rendons-nous en Syrie. Les religieuses enlevées par des djihadistes début décembre à Maaloula ont été libérées en échange de quelques 150 prisonnières détenues par le régime syrien grâce à une médiation libano-qatari. Parallèlement à ce rapport, à ce rare développement positif dans le conflit syrien, les combats se poursuivent sur plusieurs fronts dans le pays. Où Amnesty International accuse les forces du président Bachar el-Assad d'utiliser la faim
comme arme de guerre. Après 3 mois de détention et un long périple de 9 heures qui les a menées de Yablout en Syrie, où elles étaient détenues, à Arsal au Liban, puis à nouveau à Jdeidet El Yabous en territoire syrien, les 13 religieuses de la ville chrétienne de Maaloula et leurs 3 auxiliaires ont été remises au régime de Damas en échange de 152 prisonnières qu'ils détenaient. Elles ont été accueillies par un panel de religieux, chrétiens et musulmans, déployés pour montrer l'importance que le régime accorde aux minorités du pays. Arrivées dans un état de grande fatigue, elles ont aussitôt démenti la rumeur selon laquelle leur ravisseur leur avait retiré leur croix. Elles ont même affirmé avoir été bien traitées par les djihadistes du front al-Nusra qui les avaient enlevées en décembre dernier. Dans un document exceptionnel diffusé sur YouTube, on peut d'ailleurs les voir embarquer et faire leurs adieux à leur geôlier dans les termes les plus respectueux. En route vers le lieu de la transaction, on les entend dire leur joie, mais aussi souhaiter que Dieu protège les combattants qui vont les relâcher. L'image montre ensuite le déroulement de l'échange négocié sous la supervision du chef de la sûreté libanaise et du chef des renseignements du Qatar. Une première femme et ses 4 enfants sont libérés par les services de Bachar el-Assad avant que les religieuses puissent passer à leur tour. Mais pour les ravisseurs, l'affaire ne s'arrête pas là. Je jure par Dieu que nos yeux ne dormiront pas et que nous n'arrêterons que lorsque toutes nos sœurs seront sorties des geôles du tyran. En regardant leurs ex-otages s'éloigner, les djihadistes du front al-Nusra ont salué cette première étape par les traditionnels cris de « Allahu Akbar ». C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI 1.